On écoute la radio tous les matins. On écoute France Culture. On écoute absolument France Culture. C'est parce que j'écoutais France Culture que j'ai voulu aller y travailler. C'est vrai que j'étais auditeur avant d'y travailler. Et j'ai très vite eu envie d'aller travailler à France Culture et j'ai très vite eu l'intuition que France Culture serait ma maison. Mais tu vois, en même temps, j'ai pas du tout l'impression que ça ait... Enfin, c'est curieux, c'est ce rapport un peu... distendu parfois à la science parce que j'ai voulu faire de la science, je m'en suis éloigné, j'ai continué à m'y intéresser, c'est-à-dire que j'ai continué à lire des magazines de vulgarisation, Sciences et Vie, Sciences et Avenir essentiellement, j'ai continué à lire beaucoup de revues scientifiques, et j'ai toujours eu cette curiosité qui m'a jamais totalement quitté, alors vraiment par intermittence, mais qui m'a jamais quitté, et c'est Marc Voinchel, le matinalier de l'année, qui m'a dit... Il ne savait pas très bien quoi faire, où me mettre à la rentrée. C'est-à-dire que quand je suis revenu pour les matins d'été, il était ravi parce qu'il n'y avait personne, mais il ne savait pas très bien à quelle place me mettre à la rentrée. Et Marc, en discutant, que je connaissais d'avant, m'a dit « mais on aimerait bien mettre une chronique science dans la matinale ». Et tout a commencé. Et ben, c'est surtout que il m'a dit ça, pas du tout pour me le proposer. Il m'a dit ça comme ça dans le cours d'une discussion. Et j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti Sciences et Vie, Sciences et Avenir. Je lui ai dit, tu sais, moi, ça m'éclaterait. Enfin, j'adore ça. Avant même que je fasse la chronique Ce qui nous arrive demain, qui était la chronique science, avant même de penser à la méthode scientifique, c'était ce qu'on appelle vulgairement un tropisme. Quoi. Vraiment, ça m'intéresse. Et je trouve par ailleurs qu'il n'y en avait pas assez aux heures de grandes écoutes. Ok, merci. On est 7 en tout. Elisabeth qui est notre réalisatrice, Eve qui s'occupe de la programmation, Antoine et Céline qui sont reporters et qui font aussi une fiche par semaine, Noémie qui s'occupe de la veille scientifique du community management et qui fait des fiches aussi. Là, il est pas encore tout à fait 10h du matin. On est en train de regarder tous les revues scientifiques, les publications, parce qu'on va faire la conf de rédac pour programmer la semaine du 14, 15, 16, 17 avril, puisqu'on a à peu près un mois de programmation d'avance. Science, Nature, New Scientist, sur la base hebdo, plus de 27, qui est réservé normalement à notre ami stagiaire, parce que c'est le journal le plus austère de l'histoire de l'humanité, donc on s'en défausse honteusement. Non, c'est pas vrai, on essaie de le lire, mais enfin, pas souvent quand même, un peu. Et puis les mensuels français. Le document de travail que l'équipe me fournit, moi, pour préparer une émission, c'est en général une fiche d'une bonne quinzaine de pages, mais pas police 18, plutôt police 12, avec au moins une page de lien, plus parfois des compléments de documentation. Mais c'est ce qu'il faut pour pouvoir construire un fil conducteur sur une heure d'émission avec au moins deux invités. Les premiers embryons homme-cochon ont été créés. On fait une blague tout de suite ou on attend un peu? Non, on se calme. On en arrête. On a dit aujourd'hui, pas en dessous de la ceinture. Pas les parents, pas les cochons. Pas les parents, pas les cochons. Non, mais c'est assez vaste. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que... même quand on aborde ces sujets qui sont des sujets plus vastes ou plus grand public, comme, encore une fois, comme le microbiote, on a fait il n'y a pas très longtemps un sujet sur les rêves, on essaye toujours de l'aborder vraiment
par l'angle le plus science dure possible. C'est-à-dire que les rêves, on ne fait pas un sujet sur les rêves et sur l'interprétation qui serait un sujet putaclic. Genre, ce que vous n'avez jamais, ce que vous avez toujours voulu savoir sur vos rêves, ce n'est pas du tout le sujet qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'attaquer vraiment par les neurosciences, essayer de voir comment on comprend, on utilise aujourd'hui et on lit les rêves pour traiter les maladies dégénératives du sommeil ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de se réapproprier ça avec notre charte à nous, qui est la charte de la méthode. Les sept façons les plus efficaces de perdre du poids, la troisième va vous surprendre. Voilà. Ce qu'on évite évidemment de faire. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on arrive à montrer que ce qui est important, c'est que finalement, c'est pas de parier sur la façon dont on va attirer les gens de manière un peu grégaire sur un sujet, parce que ce sera un sujet plus populaire, mais qu'on peut parier sur l'intelligence et que sur des sujets pointus, bah, les gens nous suivent aussi. Exemple, les plantes à fleurs. On a fait une émission lundi sur les plantes à fleurs, sur pourquoi les plantes à fleurs sont apparues dans l'histoire de la paléobotanique. A priori, c'est complexe. Et ben mine de rien, on est dans le top 10 des émissions les plus écoutées de France Culture. Non mais les troubles alimentaires, moi, on va faire une émission sur les troubles alimentaires, c'est sûr, mais il nous faut de l'actu. Il faut qu'on s'accroche à quelque chose d'actu. Je veux pas que ce soit une émission hors sol, parce que sinon on va la griller pour un moment où il va se passer quelque chose, ou enfin tu vois. J'aime bien l'article là dans The New Scientist sur la gravité. Vraiment faire une émission, parce que là, je sais qu'on a fait la... Ouais, c'est ça. Pour le mardi, ouais. Moi je réponds à tous les auditeurs, je réponds à tout le monde, tout le temps. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je réponds même aux mails d'insultes. Voilà. Et vraiment, il y a pas très longtemps, il y a un type qui m'a réécrit, il m'a dit, il n'était pas content de tel sujet d'émission. Je lui dis, bah très bien, vous pensez qu'on est trop généraliste et qu'on fait de la science pour les nuls. Écoutez telle émission. Et lui il a dit, effectivement, j'ai fait plus attention, blablabla. Et depuis, il m'a réécrit en me disant, effectivement, et il me donne son avis sur les émissions. Et on échange, quoi. Je le dis à tout le monde, parce qu'encore une fois, ça s'est adressé à moi, mais en fait, ça va à toute l'équipe, parce que je leur redis à tous que je ne suis pas tout seul, hein, qu'on est plusieurs à préparer ça. Et que, de même que quand, au début de la semaine, deux fois d'affilée, tu as tes invités qui sortent et qui disent « Putain, chapeau, mais dis donc, vous en savez vachement sur le sujet. » Je dis « Bah oui, non, mais c'est pas moi, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent avec moi et qui bossent d'arrache-pied et qui me permettent d'avoir cet accès-là. Hein » Ça fait du bien au cœur, en tout cas. Bah ouais, c'est évidemment que c'est hyper agréable. Faites attention à cette personne, c'est un repris de justice. On vient de faire une émission sur le démantèlement des centrales nucléaires que j'ai trouvé très bien. La première était moins réussie, mais la deuxième était très bien parce qu'on pouvait poser la question du démantèlement des centrales nucléaires en montrant... C'est-à-dire sans faire d'émission qui soit partisane. C'est-à-dire encore une fois où on puisse laisser les invités s'exprimer et respecter le credo des auditeurs en leur permettant, en leur apportant des éléments pour se forger leur propre opinion. Et sur ces sujets-là, c'est vrai que c'est plus difficile parce que c'est des sujets plus sensibles, mais combien d'émissions ont déjà eu lieu avec des pros et des anti-nucléaires, avec des pros et des anti-OGM, dont on sait que c'est des espèces de démissions, de crépages de chignons qui ne font pas avancer le débat. Nous, on essaye de dire, ben voilà, on va amener des scientifiques qui viennent avec un discours scientifique expliquer les mécanismes derrière, comment on démantèle une centrale, quels sont les problèmes que ça pose, sans avoir de position, enfin ils ont forcément des positions partisanes, mais en tout cas de position prosélyte. Je sais pas, tu vois la différence, c'est ténu, hein, mais... Oh, là, il n'y a plus beau. Non, là, il n'y a plus beaucoup de messages, il n'y a plus beaucoup de réglages. Là, je vais juste discuter avec les invités pour leur présenter un peu le déroulé de l'émission, le nom des techniciens et des gens qui sont en régie. Et voilà, c'est juste de la concentration bête et méchante. Merci beaucoup, Eve.
En 1956, lorsqu'IBM présente son premier disque dur, il peut stocker 5 mégaoctets de données, soit l'équivalent aujourd'hui d'un fichier MP3. Et aujourd'hui, justement, Twitter produit chaque jour 7 téraoctets de données, soit 1,5 million de fois plus. Inévitablement se pose la question du stockage de cette information. Comment faire pour en conserver autant, mais aussi de sa pérennité? Les meilleurs disques durs ont une espérance de vie de quelques dizaines d'années au mieux, d'où l'idée de conserver toute cette information dans ce que la nature a créé de plus efficace et de plus compact au fil de milliards d'années d'évolution, dans de l'ADN. Oui, enfin, c'était un peu tendu là, le début, avec 12 minutes de duplex dans les choux, c'est un peu... On parle énormément à des étudiants. Et ça se voit hein, sur Twitter, c'est tombé, vous m'avez posé la question tout à l'heure, il y a une question qui est tombée, c'était intéressant. Moi, c'est un truc auquel je n'avais pas du tout pensé, et d'un seul coup, je me dis ça apporte quelque chose. Ça, les gens qui sont sur Twitter, en général, c'est plutôt des étudiants, et donc j'ai pas du tout d'auditeur type. En audience, en podcast, on est rentré au mois de janvier dans le top 5 des émissions la plus podcastées de la chaîne, donc on est à plus de 600 000, entre 610 et 650 000 mois. Et en audience, on le savait, hein, en audience, on est à 16h, 16h, c'est une heure creuse, normal de la radio, et en audience, on n'a ni gagné ni perdu, on fait exactement ce que faisait la tranche l'année dernière, voire un tout petit peu plus. Donc c'est-à-dire qu'on commence à 50 000, on finit à 60 000. On n'a aucun objectif d'audience de la part de la direction, aucun, vraiment. Non, mais ça a été clair dès le début. Hein. On m'a dit, de toute façon, ton émission, il faut qu'elle s'installe, si ça prend du temps, ça prendra du temps, on n'a pas d'objectif d'audience. C'est-à-dire que c'est à la fois important parce que c'est extrêmement agréable d'avoir l'impression qu'on ne se trompe pas, c'est-à-dire qu'on amène à nous des gens qui n'écoutaient pas les sciences ou en tout cas ces émissions auparavant, ça n'a aucune forme d'influence sur nos choix éditoriaux. On ne commence pas à programmer pour faire de l'audience. On programme parce qu'on pense cette émission dans sa globalité, dans son équilibre, et sur une semaine avec nos thématiques chaque jour, et sur un mois, comme vous avez pu le voir, où on se dit bah, « là, on a fait ça, donc on essaie de ne pas être redondant, etc. » Et surtout, en fonction de nos envies et des envies de l'équipe. Quoi. J'essaye juste d'arriver à ce que je vous décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ce degré de clarté qui fait qu'on peut suivre, qu'aujourd'hui ça a été un peu technique à certains endroits, mais on est toujours sur la ligne de crête. À aucun moment on a débordé, à aucun moment on perd pied. C'est-à-dire qu'on est dans le grand bain, mais on n'est pas en train de se noyer. Donc voilà, c'est-à-dire que même si on peut toujours aller vers quelque chose de complexe, tant qu'on tient les gens un peu par la main, tant qu'on leur attrape l'oreille, qu'on leur dit « tatat, venez, on va vous raconter quelque chose », ça vaut le coup de tenir. C'est ce que je fais à l'antenne, c'est ce que j'essaie de faire.